Salut tout le monde, ici Créa Pascal. Je reviens avec une petite vidéo sur un album que j'ai fait. Ça sera probablement pour Noël, mais bon, je sais, je m'y prends un peu tôt, mais comme j'ai une grande famille, il faut s'y prendre au mois d'août. Donc voilà, la page n'est pas. La couverture, pardon, n'est pas encore terminée. J'ai pas vraiment d'idée encore dessus, pour l'instant je la laisse comme ça et je la finirai plus tard. Donc voilà, mon album se présente comme ceci. Alors pour la taille, il fait 21 sur 14 à peu près, sur 13,5. Donc voilà. Donc là, j'ai utilisé un papier de Action. C'est les blocs de 25 par 25. Je sais pas où ils sont, donc je pourrais pas vous les montrer. Donc voilà, donc j'ai fait un badge avec ma super badgette. Voilà, tout fait, hein, le fond, et c'était un tampon que j'ai utilisé. Donc voilà. Donc quand on ouvre, ça se présente comme ça. Donc j'ai fait deux rabats. Donc là, j'ai mis un tampon souvenir. Là, j'ai fait un rabat, j'ai fait des petites taches. Donc là, celui-là est sur le thème un peu violet. Donc là, j'ai fait un brad avec du tissu adhésif. Là, j'ai mis un peu de masking tape. Là, j'ai laissé la page toute simple. Ensuite, la page suivante. Là, j'ai fait un tampon embossé. Là, j'ai mis deux petits tampons. J'ai fait un tag. Voilà, tout simple. Une photo. Ensuite, j'ai fait une gorgeous. Alors, pour la coloriser, j'ai utilisé mes nouvelles trouvailles qui sont H2O. J'adore. Et je sais pas si vous voyez, mais ça fait des reflets. Sur les jupes, là par exemple, c'est des reflets roses. Et je trouve ça simplement magnifique. Donc je l'ai mis en surbrillance. En surbrillance. Je trouve pas le mot. C'est pas grave. Donc là, j'ai fait un tampon embossé. J'ai mis des masking tape. Là, j'ai fait un tampon que j'ai acheté chez Cultura récemment. Là, des petites flèches. Là, une petite frise avec. Une perfo bordure, là c'était avec un pochoir, là avec ma nouvelle trouvaille de c'est des demi-tonnes tangerine, là donc c'est en fait c'est cousu, hein. Cousu sur papier, donc là un petit tampon, un petit papier, une petite flèche, sur ça là, un petit masking tape, de ce côté là une petite découpe Hello, une petite fleur. Là, un petit mot happy, un petit papillon. Hop. Voilà. Donc un tag, c'est embossé en rose. Voilà. Ensuite, là, c'est du modeling paste. Modeling paste, pardon. J'ai mis un peu de pigment et zinc turquoise. Non, violet. Là, nous avons encore un tag. Avec encore un petit brad avec du tissu adhésif. De ce côté-là, nous avons de la dentelle. Voilà, un petit papillon. Ça, c'est embossé. Là, nous avons une petite tampon fleur et j'ai... entouré avec mon crayon gel blanc. Là, un petit napperon que j'ai un peu vaporisé. Oh là là, la lumière. Là, c'est aussi embossé. Voilà, un petit masking tape. Pour faire du plaisir simple.
Donc encore un petit badge avec ma badge. Et voilà, et le dernier. Voilà. Donc voilà pour ce petit album. J'espère que ça vous aura plu. Si vous voulez que je vous fasse une vidéo sur la conception, ben, vous pouvez me le dire, il n'y a pas de souci, je le ferai, il n'y a pas de problème. Il faut que j'en fasse d'autres, donc de toute façon, ça ne me dérangera pas. Ça ne sera peut-être pas exactement les mêmes emplacements de pages, les mêmes pages, etc. Mais bon, le concept reste le même. Donc voilà mon petit album. Je vous souhaite à tous une excellente journée. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à me poser des questions. Je vous remercie. Bonne journée. Au revoir.